amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je te propose de faire cette coiffure deluxe. Pour réaliser cette coiffure, j'ai utilisé deux paquets d'expression, plus exactement un paquet et demi, et j'ai utilisé trois paquets de mèches crépues. En fait, hier j'ai fait mes nappes avec les mèches. Je voulais pas tout faire le même jour parce que je me suis dit, je veux pas. En plus, j'avais fait mon shampoing, fait mes soins, et je veux pas trop avoir de pression sur ma tête. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas serrer les racines des nattes que vous faites avec les mèches. Parce que après, quand vous allez enrouler, ça va encore tirer un peu vos cheveux. Et c'est pas ça le but, pour que ça s'arrache, ni pour avoir des boutons. Parce que quand c'est trop serré, ça vous fait des boutons sur la tête et c'est très moche, c'est dégueulasse. Et ça abîme vos cheveux. Vous n'aurez pas des cheveux sains si vous faites ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent il faut que quand on me coiffe, les cheveux s'attirent, comme ça mes cheveux vont pousser, les cheveux vont rester plus longtemps, vont durer plus longtemps. Mais non, ça n'a rien à voir du tout. Ça va pas faire que les cheveux vont tenir plus longtemps. Tu vas juste te faire mal, avoir les cheveux qui te tirent. Tu ne vas pas pouvoir dormir 2 ou 3 jours. Franchement, ça vaut pas le coup. Et quand tu vas même défaire tes cheveux, tu vas voir que tu vas perdre beaucoup de cheveux parce que les mèches tiraient trop tes cheveux. Donc aujourd'hui, moi, je vous montre les racines. Franchement, c'est pas serré, il y a de la marge, quoi. Vous voyez, il y a de la marge. Et même quand j'ai enroulé les mèches par-dessus, j'ai pas trop serré non plus parce que je veux pas abîmer mes cheveux. C'est pas le but recherché. Je veux juste une coiffure protectrice. Souvent, avec cette coiffure, les gens disent oui, ça tire trop les cheveux. En fait, ça dépend de la personne qui vous coiffe ou si vous-même vous vous coiffez, si vous serrez trop. C'est normal que ça devienne une coiffure destructrice et pas protectrice si ça tire trop. Donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dis tout ça, cache. Le seul inconvénient que je trouve aussi dans cette coiffure, c'est juste que tellement les cheveux sont emballés avec les mèches, on ne peut plus accéder aux pointes des cheveux pour les hydrater. Mais sinon, les racines, on peut vraiment hydrater les racines comme on veut, faire même un shampoing avec, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut masser, il ne faut pas tirer, il faut être délicat quand vous allez faire vos soins avec les mèches. J'ai commencé, je vais d'abord faire l'arrière et après je vais faire juste l'avant avec vous. J'utilise des mèches crépues pour enrouler les cheveux, pour avoir les locks. On a besoin d'un crochet, ça va vous aider à ne pas trop tirer les cheveux sur les racines pour que ça tienne. Je passe le crochet entre mes cheveux et je place la mèche, je tire de l'autre côté. Je garde une partie plus longue et une partie moins longue. Et c'est la partie la plus longue que j'ai utilisée pour tourner autour de la natte. J'utilise mes doigts pour bien doser l'espace que je laisse à chaque fois. Je tourne au fur et à mesure. Pour descendre, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre chaque fois que je fais les tours. Lorsque je commence à me rapprocher de la fin de la mèche crépue, je fais 2 nœuds. Je prends une petite partie à chaque fois. Je ne prends pas toute la mèche d'un coup pour ne pas avoir un nœud énorme. Et lorsque j'arrive au niveau de là où je veux que la mèche arrive, je remonte avec le reste de la mèche qui reste vers le haut. Je tourne vers le haut en fait. Cette technique permet d'avoir des locks un peu plus naturels, en fait que les bouts ne se défassent pas facilement. Là, je coupe la partie qui ne me sert à rien et je passe le doigt dessus.
Je fais un nœud par là et puis je rajoute une mèche parce que j'avais pas assez. Donc là, j'ai juste passé la mèche par-dessus et j'ai passé dans le trou. Je commence par un côté de la mèche et ensuite je rejoins l'autre bout. Voilà, comme ça, je les mets ensemble pour ne pas avoir de bosse. Mais après, je cherche pas quelque chose de linéaire parce que je veux vraiment ce côté assez naturel qui fait que c'est pas pareil partout, quoi. Enfin, que ce soit pas chaque mèche soit trop droite et que ça fasse pas. Ça doit pas être trop parfait en fait. Je veux pas que ce soit parfait. Comme tout à l'heure, je fais un nœud et quand je sens que la mèche va bientôt terminer. Et puis je remonte avec le reste de la mèche jusqu'à la fin. Une fois que la mèche se termine, quand je suis en haut, je refais des nœuds. Vous avez pu voir comment j'ai réalisé toute cette coiffure. Moi, personnellement, j'ai brûlé un peu, j'ai passé un peu le feu sur les mèches pour que ça tienne plus longtemps. Après, vous n'êtes pas obligé, ça comme ça aussi, ça passe. Bref, si vous n'avez pas l'habitude, ne faites pas que quelqu'un vous aide pour ne pas risquer de vous brûler, d'accord? Bisous!